Le 17 février dernier, j'ai discuté avec Akanoa de vulgarisation. Vulgariser, c'est entr'ouvrir une porte, laisser apercevoir ce qui se trouve derrière et donner envie de faire soi-même le premier pas. Donc on a un peu abordé tous ces sujets, je vous laisse découvrir et vous verrez, on n'a pas trop dérivé. Donc on accueille Akanoa aujourd'hui qui va nous parler de sa passion. Je te laisse te présenter et nous dire ce qui te fait kiffer. Bonjour à tous, je m'appelle Akanoa, je suis développeur depuis à peu près 15 ans et 6 ans professionnellement. Donc professionnellement, ça veut dire que quelqu'un est assez fou pour me payer pour développer. Donc moi, ce que j'adore faire, c'est apprendre et transmettre des connaissances et en les vulgarisant surtout, pas seulement transmettre de la connaissance pure. Donc aujourd'hui, Benjamin m'a gentiment invité pour discuter justement de cette notion de connaissance et de sa transmission avec tous les canaux qui peuvent exister, l'écriture, les talks, les présentations tableaux et tout ce qui peut en fait permettre d'être un canal entre un sachant et une personne qui veut apprendre quelque chose. Okay. Et toi, à titre personnel, tu utilises quel canot ? Moi, j'utilise principalement le blog. Je tiens un espèce de blog technique où je mets un petit peu tous les sujets que j'essaye d'aborder. J'utilise aussi le stream. J'ai une chaîne Twitch où je stream assez violemment. Allez, 90 heures par an à peu près. Donc ça fait un bon paquet de contenu. Et dessus, ce que j'adore faire, c'est tester des nouveaux outils, les installer en direct et essayer de les faire marcher. Donc on a essayé de faire marcher une quantité affolante d'outils. Et ce qui était génial, c'était surtout d'avoir des personnes dans le chat qui posaient des questions. Et qui, moi, en fait, me poussait à aller chercher la réponse directement dans la documentation, dans le système, de le tester carrément, parce que vu qu'on avait installé l'outil, recommencer à jouer avec. Et du coup, le fait qu'il y ait un rapport entre moi en tant que streamer et les personnes dans le chat, ça m'a permis d'aller tester des choses que j'aurais même pas été testé moi-même, quoi. D'accord. Et quand tu fais un stream comme ça, de découverte d'outils, tu te documentes un petit peu sur l'outil avant ou alors tu le découvres en même temps que tu le présentes? Je le découvre en même temps que je le présente et c'est pour ça que des fois, il y a des fails avec des trucs qui ne peuvent pas s'installer. On a essayé d'installer Gitpod en auto-host, enfin en self-hosted. Ça n'a jamais marché et pourtant, on avait le développeur de Gitpod dans le chat. Ah. Il nous aidait à essayer de faire fonctionner le truc sur le système. On n'a jamais réussi à le faire fonctionner. D'accord. C'était passionnant, mais ça a été un fail. C'est pas un fail au sens où... je me rappelle, c'est dans un des sujets d'Aurélie Vache, elle disait soit je réussis, soit j'apprends. C'est ça. Voilà, c'est une citation de Nelson Mandela, je crois. Et c'est le principe. Et le fait d'avoir eu le développeur Twitch, enfin le développeur Gitpod avec toi, peut-être qu'il va faire évoluer le produit suite à ce retour qu'il a pu avoir. C'est fort probable, ouais. Après, son système fonctionnait, mais il fonctionnait pas dans l'écosystème que j'essayais de faire fonctionner. Après, c'était aussi un angle mort qu'il connaissait. C'était écrit dans la documentation que c'était expérimental. Donc, quand on commence à aller dans les zones grises du système, ça fait 12 heures de stream à essayer de faire fonctionner un truc et que ça ne marche pas. Quoi. Ouais. Après, c'est aussi bien pousser les choses dans leur retranchement parce que ça te permet de voir un petit peu ce qui... De pousser aux limites. C'est les tests aux limites. On fait des développements, on fait des tests aux limites et quand on installe, on fait également des tests aux limites et ça permet de renforcer un peu le truc. Totalement. Et après, dans les canaux différents, je vais avoir les talks. En fait, c'est plus des talks d'entreprise où j'adore
présenter des bonnes pratiques, présenter des sujets que je considère d'importance pour mes collègues. Genre, par exemple, le TDD, quoi. Des trucs comme ça, l'architecture hexagonale. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu les monorepos, enfin, tout ce genre de connaissances un peu générales qui servent en fait de briques de Lego pour qu'après construire d'autres trucs par-dessus. Donc, D'accord. ça j'adore faire, mais c'est vraiment c'est presque des mini-talks qu'on aurait dans les conférences type DFS et ce genre de choses, mais en entreprise. Donc, je m'amuse à aller faire des slides, je m'amuse à aller faire des démos, je m'amuse à aller faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait encore? J'avais fait un système de questions pour un champion à un moment, et je m'étais amusé justement à ne pas faire la conférence, c'était eux qui avaient fait la conférence en répondant aux questions. Ah, c'est pas mal. C'était rigolo, c'était horrible à faire intellectuellement parce qu'il fallait anticiper les réponses des personnes et avoir un fallback à chaque fois qu'il y avait un blanc, on va dire. On n'a pas eu beaucoup en vrai. Mais c'était trop bien parce que bah, les personnes qui étaient actifs, ils étaient investis en fait dans la conf et du coup, c'était beaucoup plus gratifiant pour eux en fait. Parce Oui. qu'au lieu d'être spectateurs de la connaissance, ils étaient devenus acteurs de la connaissance. Ouais, et puis souvent, quand tu t'investis comme ça, tu retiens mieux plutôt que si tu es juste assis passivement à recevoir. C'est ça. Donc là, ça permet de mobiliser. C'est pour ça qu'on les enfants apprennent par le jeu, et c'est pour ça que maintenant on fait les serious games et ce genre de choses pour les adultes, parce que on fait passer tellement plus de choses quand c'est ludique, que finalement ça permet d'avancer plus facilement. Ah ben oui, de toute façon, le jeu à l'origine, genre les jeux d'échecs, c'était un outil pour apprendre les manœuvres militaires aux généraux. C'était pas un jeu en fait, c'était un outil sous la forme d'activités en modèle réduit, mais c'est devenu un jeu mais par la suite. Ça Oui. c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est un éternel recommencement où là, on s'aperçoit maintenant que bah, la ludification, c'est vachement intéressant pour aller récupérer de la connaissance et ainsi de suite, quoi. Ça me rappelle un film alors qui est tiré d'un livre, mais j'ai vu que le film, c'est la stratégie Ender. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'est une trilogie de bouquins d'ailleurs. Il y a trois bouquins. Bon, après, les deux autres bouquins, c'est un petit peu différent Mais voilà, que dans le du premier, film. le truc, c'est ça, c'est on fait jouer des gosses Ouais. pour voir comment ils réagissent dans des situations de conflit, et on applique ça à des vrais conflits. C'est ça. Donc oui, c'est poussé à l'extrême, évidemment, mais c'est la mentalité qui est derrière le truc. Après, c'est toujours le problème, c'est la manière dont on utilise un outil. Si on l'utilise bien, on fera des bonnes choses. Si on l'utilise mal, on va créer des situations qui sont bah, des situations de faire des choses qui sont pas bien aux gens, mais comme on passe par le jeu, ils peuvent avoir l'impression que bah, c'est qu'un jeu, quoi, il n'y a pas de Ouais. problème. Sauf qu'en vrai, bah, on est en train de les contraindre à faire des tâches répétitives. Typiquement, bah, y a des entreprises qui commencent à utiliser la gamification pour obliger les personnes à faire des tâches répétitives qu'ils n'auraient jamais fait. Parce que ça aurait été faire du copier-coller entre deux colonnes Excel. Sauf que Ouais. là, vu que c'est passé sous la forme de jeu, bah ils le font en fait, parce que ils gagnent des points Ouais. à le faire. Ça, c'est après tous les procédés de manipulation qu'on C'est peut ça. trouver Mais en entreprise ou dans les commerces. Comment contraindre à acheter ou à. Voilà, tu fais. Y a tellement de processus de vente qui impliquent du jeu, justement. C'était quoi? Il y a quelques années, c'était Coca qui avait fait une. Qui avait fait un jeu, en fait, tu ouvrais la canette, et si au fond de la canette, il y avait un petit symbole, tu avais gagné. Oui, je me rappelle ça, ouais. Il y avait marqué sur le truc, jeu gratuit sans obligation d'achat. Mais Oui. comment tu fais pour jouer si tu n'achètes pas la canette?
Ah bah tu la voles dans le supermarché, tu la bois, tu regardes s'il y a le truc dedans et après tu t'enfuis. C'est ça. Alors, il y avait un animateur télé à l'époque qu'ils avaient un peu pris à leur propre jeu. C'est qu'il était allé dans un magasin avec un seau et il vidait les canettes dans le seau. Et quand les vigiles sont arrivés, non, non, mais moi j'achète pas, je veux juste voir si c'est gratuit parce que le jeu est gratuit sans obligation d'achat. Et il avait fait son reportage comme ça, c'était assez marrant. Donc, ouais, on contraint par le jeu aussi. Et par le bien qui est au bout. Et dans d'autres médiums que j'ai pu utiliser pour faire ce genre d'apprentissage, ben, pendant un des talks, j'avais carrément créé une application. C'était une application pour expliquer le temps réel. Et du coup, j'avais fait un site web, une application Android et une application iOS qui permettait en fait d'appuyer sur l'écran, donc soit de cliquer sur l'écran, soit d'appuyer sur l'écran, et ça affichait un cercle de couleurs d'une taille différente à l'endroit exact où l'un des clients en fait avait cliqué. Sauf que comme c'était du temps réel, bah, en fait c'était répliqué sur l'ensemble de tous les appareils. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que vu que les personnes pouvaient dessiner des trucs avec ces cercles, bah, pendant la conférence, pendant que moi j'étais en train d'expliquer mon truc, eux ils étaient en train de commencer à faire des dessins. En collaboration, en fait. Il y en avait un qui mettait un rond, un autre qui mettait un rond, machin. Et donc là, c'est pareil, c'est les mecs qui deviennent bah, acteurs de la connaissance parce qu'ils expérimentent le truc. Et moi, à côté, j'étais en train d'expliquer comment est-ce que ça marchait. Parce que, comment la magie noire était opérée pour que le système fonctionne, quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de capter leur attention par le jeu, ce qui fait qu'ils vont plus écouter tes explications? Il faut être charismatique. Non, en vrai, c'est parce que en plus de ça, il y a Steven Leroux qui bossait avant à OVH, maintenant Clever Cloud, qui m'avait dit un truc. Quand on fait des slides, il faut que les slides soient intéressantes et donc qui captent l'attention. Il m'avait dit que, par exemple, si quelque chose va vite, tu mets une slide avec un guépard qui reste une demi-seconde à l'écran. Et ça, en fait, ça va attirer l'œil de l'utilisateur à faire « Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé Il se dit qu'il a raté quelque ?» chose. Il a raté quelque chose. Et les gens n'aiment pas rater quelque chose. Alors que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a rien. Il y a un guépard qui vient de passer. Bon, on est en train de parler de temps réel. On s'en fout du guépard. Sauf que, bah, en fait, t'as attiré l'œil de la personne. C'est marrant parce que mon père était prof et il avait une technique un peu similaire mais auditive pour les gamins. Il était prof en collège. Et en fait, quand il se rendait compte que l'attention baissait dans la classe, que les gamins commençaient à être dissipés, il parlait de plus en plus doucement. Il baissait Oui, le volume de la voix. j'avais un prof comme ça. Ce qui fait que les gamins, petit à petit, bah, ils se taisent et ils essayent d'entendre ce qui se passe. C'est ça. Parce que pareil, c'est la frustration de ne pas être capable de tout comprendre. Non, non, mais ça marche super bien. Donc oui, il y a une idée de distraction, mais en fait, si tu es capable de doser la distraction dans l'autre sens, tu peux ramener l'attention dans le bon sens, machin. C'est pour ça que quand on fait des slides, bah, dans les slides, il doit y avoir trois fois rien et il faut que les slides passent très vite, parce que ça permet à chaque fois de redynamiser l'attention des personnes pour qu'elles se refocusent sur ce que tu es en train de raconter et pas le contenu de la slide. Parce que le contenu de la slide, on s'en fout. C'est juste un support, le truc. C'est pour ça que bah, quand on a parlé du camping de speaker avec le pas de slide du tout, je me suis dit, oh, c'est trop bien. Encore un nouveau terrain de jeu quoi, Et oui. que j'ai jamais expérimenté. Bah, ça peut être l'occasion, hein. On lance un appel au camping des speakers, s'il vous plaît. Bien sûr. Il y a des sujets intéressants, prenez-nous, prenez-nous. Mais oui, effectivement, changer de support, ça permet aussi de trouver de nouvelles manières de capter l'attention et de tenter des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est surtout que toi, tu es obligé de reformuler ce que tu racontes parce qu'en fonction du médium, tu feras pas passer la même information. Par exemple, à l'écrit,
À l'écrit, tu ne peux pas avoir le retour de la personne. Ouais. Ce que tu as écrit est immuable, en fait. Ouais. Si tu as mal écrit ta phrase et qu'elle ne veut rien dire, tu ne peux pas rattraper ton coup, en fait. Ouais. Tu vas juste avoir embrouillé la personne qui est en train de lire ton truc et c'est mort. Ouais. Quand tu es en train de faire un talk, tu as un moyen de te rattraper aux branches parce que tu es capable d'aller regarder le blanc de l'œil des personnes pour savoir si elles sont intéressées, si elles comprennent ce que tu es en train de raconter, si tu es en train de les énerver, si tu es en train de les amuser. Ouais. Tu as un feedback, en fait. Et si tu as bien conçu ta conférence, bah, en fait, tu es capable d'avoir des plans B pour redynamiser le truc s'il y a besoin de redynamiser le truc. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de conférences. J'ai commencé à donner des talks, des petits talks pendant le Covid. Mm-hmm. Donc, j'ai fait beaucoup en virtuel. Donc, tu ne vois pas les réactions des personnes en face. Et c'est... En fait, tu parles tout seul. C'est ça. Bah, c'est les streams Twitch, en fait. C'est moi, ça. Moi, en fait, j'oblige les spectateurs à me répondre. En fait, quand j'ai fini mon explication, je demande à chaque fois... Est-ce que ça fait sens ce que je viens de raconter ? Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de détailler quelque chose ? Et je laisse un gros blanc monstrueux jusqu'à que la réponse arrive. Ouais. Tout ça, c'est calculé aussi. Mais c'est vrai que là, on est obligé de se baser essentiellement sur de la communication verbale. Mais c'est vrai que pouvoir voir tes personnes en face, pas forcément des interlocuteurs parce qu'ils ne parlent pas tous, mais pouvoir voir les personnes qui assistent en face et voir leur réaction corporelle. On voit s'ils s'ennuient, s'ils sont intéressés, s'ils sont choqués. Et ça permet de s'adapter facilement. Qu'un live Twitch ou une conférence Zoom ne permettra pas. Ah bah non. Et j'ai fait un talk en live. C'est vrai que c'était 100 fois mieux, en fait. Pourtant, ils étaient 6 dans la salle. Hein. Mais c'était waouh. C'était une montée d'adrénaline avant. Et après, il y avait cette interaction avec eux. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Bah, félicitations d'avoir eu le courage d'aller faire des talks, parce que bah, c'est quelque chose qui est assez compliqué, en vrai. Moi, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, j'ai poussé les gens justement assez fortement à aller justement faire de la transmission de leurs connaissances. Parce que moi, j'avais commencé le truc. Mais il y avait d'autres personnes intéressantes, en fait, dans l'entreprise. Oui. Il y avait des sujets qui étaient très intéressants aussi et où j'avais zéro compétence. Genre, j'ai toujours zéro compétence, c'est en CSS, quoi. Oui. Je suis incapable de faire quelque chose de beau. Je vais faire quelque chose de pratique et ça s'arrête là. C'est pour ça que quand Olivier Poncet, il a montré son pico CSS, j'ai fait « Oh, bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour ma vie maintenant, hein. C'est bon. Hein. » C'est pour ça que je fais pas de front, moi. J'utilise une librairie qui fait du front à ma place et je m'arrête là. Et du coup, j'ai petit à petit, en allant à la machine à café, en discutant, en allant dire, mais attends, si je faisais ça, tu pourrais expliquer ça, ça, t'inquiète pas, de toute façon, ils vont pas te bouffer, tout le monde te connaît, machin. Et il a fait un talk sur l'ABEM. Donc, c'est une espèce de framework pour le CSS qui permet de définir en fait le nom des classes CSS et qui permet d'organiser en fichiers, en machin, tout son truc pour que lorsque on a un très très gros site, on est capable d'organiser tout ça. D'accord. Et c'était génial parce que le mec, il avait passé plus de 3 mois. À recréer son propre bootstrap pour l'entreprise parce qu'on avait des besoins qui étaient extrêmement spécifiques. Et grâce à ça, on a créé notre design system au travers de son système d'ABEM. C'est ABEM, je crois que c'est ABEM, mais je suis même plus sûr maintenant. et c'était passionnant. Et il y a d'autres personnes après qui ont embrayé sur d'autres sujets et il y a eu une dynamique qui s'est faite. La transmission d'informations, c'est pas seulement la transmission d'informations, c'est surtout donner goût aux personnes de transmettre leurs propres informations pour que ça soit une chaîne vertueuse de personnes qui partagent et surtout pas qui monnaient la connaissance. Ça c'est quelque chose aussi qui m'ennuie un petit peu, c'est de la monétisation de la connaissance.
Parce que pour moi, la connaissance devrait être libre. Par contre, le fruit de la connaissance, elle, oui, tu vas la monnayer, mais la connaissance pure, c'est vraiment dommage qu'on mette des barrières financières sur ça. Parce que c'est ce qui est le plus précieux dans l'humanité. C'est ce que, en fait, on transmet de génération en génération. C'est pas le patrimoine, c'est les murs ou quoi que ce soit. C'est la connaissance. C'est la première personne qui a foutu un bâton dans le sol et qui a déclaré que ça, c'était le temps. C'est une connaissance qu'on a encore aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai pour absolument tout ce qui existe. Et surtout, si on monétise la connaissance, on prive certaines personnes de cette connaissance. Et si ça se trouve, ces personnes-là, avec la connaissance, auraient pu faire des choses magnifiques. Exactement. C'est ça qui m'embête profondément dans cette histoire. C'est se priver du potentiel de certaines personnes pour des mauvaises raisons. C'est pour ça qu'avoir une école publique gratuite, c'est hyper important, quoi. Oui. Mais à condition qu'elle soit bien gérée, mais là on va rentrer dans les débats politiques. Non, mais ça on va pas parler. Nous on est à la connaissance, hein. on n'est pas justement à l'inverse de la connaissance qui est la politique. Voilà. Mais Et donc toi tu disais que tu faisais beaucoup de talk en entreprise, mais tu fais des talk en conférence aussi ou pas trop? J'en ai jamais fait, non. Je devais poster mon premier talk juste avant que le Covid apparaisse. Pour le DevFest de Nantes, j'avais un talk sur Vue 3 où j'expliquais tout sur Vue 3. À la fin, on était capable de refaire un système de store à la Vue X, mais uniquement avec du Vue 3 en utilisant vraiment tous les outils en fait qui avaient été montés sur Vue 3. Donc, je sais pas si un jour je la ferai, mais il y avait tout en fait. Que ce que j'adore, c'est avoir des slides et avoir du code juste à côté pour pouvoir tester les choses et que les personnes puissent tester, parce que j'avais fait un système d'espèce de lien en fait qui permettait d'aller sur un playground, et donc pendant la conférence ils auraient pu jouer en fait avec les différents exemples que j'aurais montré à l'écran pour vraiment se rendre compte de comment ça marche en fait les trucs, et pas seulement être passif de me voir appuyer sur le bouton plus pour augmenter l'incrément. Ils auraient pu eux-mêmes appuyer sur le bouton plus pour changer l'incrément. C'est tout con, mais ça amène toujours l'histoire d'interactivité pour comment c'est le mot, pas fidéliser, merde, j'ai perdu le nom. Attirer l'attention, capter. Je sais plus. Bref, rendre le public acteur de la conférence en même temps que la personne qui est sur la scène. Quoi. Impliquer le public dans la conférence. Okay. Merci. Donc, c'était un format live coding. C'était un format semi-live coding. Semi-live coding, slide. J'avais des slides et dans les slides, j'avais en prédécoupé des steps. Et avec les flèches, en fait, je pouvais faire apparaître du texte. D'accord. Tu n'ouvrais pas un IDE en direct. J'avais presque un IDE, mais pas vraiment un IDE, parce que j'avais déjà fait des confs où j'étais en full live coding. C'est rigolo à faire, mais en fait, c'est trop stressant. Donc, du coup, je suis passé à un format hybride qui est du live coding en utilisant des tags Git. Donc, je fais juste des checkouts de tags successif pour avoir en fait l'étape. Si je me foire, en fait, je peux passer au tag suivant et je sais que le tag suivant, il est parfait. Oui. Non, c'est bien pour ça, Git, c'est pratique. Ah, c'est un outil formidable. Oui. Mais c'est du boulot, parce que faire ce genre de live coding scripté à base de balises d'action à chaque fois, ça demande d'être carré, mais de chez carré sur ce que l'on veut transmettre, comment on veut le transmettre, si ça plante, comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner. D'ailleurs, petit tips, faites jamais de conférence avec du live coding si vous avez besoin de taper de l'extérieur avec votre démo. Tout doit fonctionner en offline. Tout
tout. Eh oui, parce que les Wi-Fi, la connexion saute. Les Wi-Fi, c'est le pire protocole du monde où, quand vous êtes le dernier à vous connecter, ça marche moins bien. Sauf que bah, le public, il est le premier à se connecter et il est nombreux. Oui, effectivement. Donc, en fonction de l'organisation qu'il va y avoir dans la salle, soit vous, en tant que speaker, vous allez avoir un Wi-Fi dédié, soit vous allez partager le Wi-Fi de toutes les personnes qui se sont connectées à leur téléphone, qui n'ont pas réellement besoin de ce Wi-Fi parce qu'ils ont quand même la 4G, mais vu que le Wi-Fi est activé, bah, le Wi-Fi se fait prendre par le téléphone et bah, des canaux, il n'y en a pas illimité, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est sûr que c'est le côté moins marrant. L'effet Bonaldi. Et du coup, faites tout en offline. Il y a des choses magnifiques qui existent maintenant pour faire des petits trucs, genre Docker. Donc, bah, c'est tout en des Docker et puis vous n'avez pas besoin du réseau, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut juste apprendre Docker. Mais c'est facile. Il suffit de trouver une personne qui connaît les choses et qui est capable de les transmettre. Aurélie Vache, ouais, par exemple. Exactement, qui fait des sketch notes sur Docker depuis quelques temps maintenant. Exactement, ouais. Dont je suis un assidu parce que j'essaye d'apprendre Docker en ce moment. Ah ouais? De maîtriser. Donc oui, je suis régulièrement ce qu'elle poste sur YouTube. Ah non, mais okay. c'est du contenu que je considère comme qualitatif. Oui. Bon, je pense que tout le monde est assez unanime sur le sujet. Là, il n'y a pas de... J'ai fait des dessins comme moi. Ah oui, ça j'ai oublié, dans les canaux, sur mon blog, bah, moi j'adore de faire des dessins. Du coup, mes articles, c'est pas du texte en fait, c'est des dessins agrémentés de texte. D'accord, c'est de la facilitation graphique. Ouais, pour moi, en fait, il y a deux parties dans la transmission. Il va y avoir le texte qui va expliquer ce qui va se passer, et puis il y a le dessin qui va réexpliquer ce que le texte a défini, mais d'une autre manière. Et donc, si tu as cru comprendre quelque chose avec le texte et que le dessin dit l'inverse, bah, tu as une deuxième chance en fait, de comprendre ce qui se passait réellement. Et si tu as compris quelque chose dans le texte et que le dessin te renforce cette idée, bah, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus pérenne dans ta tête parce que tu vas faire « Ah oui, ah oui !» Oui. Et comme tu lis de manière bah de haut en bas le texte, bah, si tu suis vraiment le truc, si tu n'es pas en train de zapper les sections à lire en diagonale, mes articles, par exemple, sont faits de manière à ce que ça soit toujours des espèces de petites histoires où on part d'une problématique, on a un déroulé et à la fin, on a une conclusion. C'est de la scénographie, en fait. Le truc, c'est... situation initiale, élément perturbateur, péripétie, climax, donc ça c'est quand on est en train de résoudre le problème, et après on a la résolution, et on retourne à un état initial, mais un état initial qui est différent de l'état initial qu'on avait en début d'article. D'accord. Et tous mes articles sont conçus presque comme ça, en fait. C'est, tu scénarises vraiment le... Ah oui, je scénarise de ouf tout, quoi. Genre, je passe un temps de ouf, mais je le fais même pas en live, en fait. Je le fais pendant que je dors, parce que mon cerveau, il fonctionne en même temps que je suis en train de réfléchir à un sujet. Genre, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire un article sur le réseau. Mm-hmm. Ça fait un mois et demi qu'on est en train de faire des dessins en live. Mais c'est parce que il faut que la scénarisation du truc tienne la route pour réussir à s'enclencher correctement. Parce que cet article-là, en fait, c'est le frère d'un autre article qui a été fait l'année dernière. D'accord. Donc maintenant, vu qu'il y a le premier article qui m'a permis de définir des concepts, je suis capable de réutiliser les concepts de l'article de l'année dernière dans l'article que je suis en train de faire en ce moment. Okay. Donc, en gros, l'article 1, c'était juste le dégrossi. Et maintenant, dans l'article 2, à chaque fois, c'est « Et en fait, c'était pas si simple que ça. Et en fait, je vous avais menti. Et en fait, on va creuser. » Et donc, les choses, en fait, c'est « Ah ouais, putain, attends, on va aller voir qu'est-ce qu'ils se racontent. » Et ainsi de suite.
J'avais imaginé pendant un temps, quand je voulais faire des cours pour les gens, faire des. J'appelais ça un apprentissage pyramidal, c'est-à-dire que tu commences par la base et tu creuses, enfin tu creuses, c'est une pyramide, ça montre, enfin le principe, c'est que tu développes, tu développes, tu développes, mais de manière à ce que les gens puissent quitter le truc en cours de route du moment qu'ils ont l'information qu'il leur faut. C'est-à-dire que Je si vois. tu veux t'arrêter, tu as ce qu'il te faut, mais par contre, si tu veux creuser, bah, tu continues le support, quel qu'il soit. Et donc, ça te permet d'être de plus en plus précis, de plus en plus pointu. C'est une approche que j'ai, ouais. C'est en gros, quand je découvre un sujet, ça se passe toujours de la même façon. Je vais voir un sujet, je descends tout en bas, mais vraiment tout en bas, quoi. Là, par exemple, au réseau, on est arrivé au kernel, quoi. Vraiment tout en bas. Et pour vulgariser le truc, bah, en fait, il faut remonter de couche d'abstraction petit à petit pour se mettre en fait au niveau des personnes qui vont lire l'article. Qui n'ont pas envie d'aller lire le code C du kernel. Je les comprends. J'ai souffert en allant le lire. Mais que, il y ait suffisamment d'informations pertinentes et surtout vraies dans l'article pour que lorsque j'aurai envie d'aller creuser encore plus la partie que j'ai laissée en suspens, bah, on pourra dire, et maintenant, on va voir ce qui se passe dedans. Ouais. Et donc, une partie 3 parlera de ce qui se passe réellement derrière mon corps. Parce que Ouais. bah, je ne peux pas tout dire, en fait. Là, j'ai un article, il fait déjà 800 lignes, il en fera 1600 quand j'aurai terminé. Ah. Et quand tu publies, est-ce que tu utilises un truc que moi je déteste, qui est au début, tu affiches le temps de lecture estimé? Non. Je trouve que ça peut te décourager en fait. Ah bah si, Et donc. bah il y a un blogueur qui s'appelle Faster Than Lime ou Line. Je crois que c'est Line. Je crois que c'est Line. Qui met le temps estimé de ses blogs. Sauf que en fait, le mec, il fait du Rust. Il fait du Rust très bas niveau. Donc Ouais. il va vraiment bosser dans les internals de Rust. Temps estimé 300 minutes. Ouh. 105 minutes, 120 minutes. Ouais. Ses articles les plus courts, c'est 55 minutes. Donc, quand tu vois ça, tu fais, bon, très bien, on est parti, C'est ça. hein. Mais c'est super intéressant. Si vous avez envie de creuser vraiment comment fonctionne un compilateur, comment fonctionne une Rainbow Table, comment fonctionne. Là, en ce moment, il a fait un article sur comment le Rust s'est foutu de ma gueule à certains moments. Et du coup, bah, il a détaillé tout. Et donc, D'accord. c'est vraiment une mine d'or sur énormément de sujets. Mais bah, ça demande un investissement qu'il faut prendre parce que la personne, elle n'est pas là pour vulgariser. Elle est là pour expliquer. Et c'est une approche qui est complètement différente de la mienne. Oui. Vulgariser, ça permet d'amener de nouvelles personnes. Lui, il prend des personnes qui connaissent déjà le sujet et il les C'est éduque un peu ça. plus. Sa cible, ça va plutôt être des personnes comme moi qui, après, potentiellement, vont aller vulgariser le truc. Mais une personne qui fait du JavaScript, que du JavaScript, il aura beaucoup de mal, en fait, à comprendre la portée de ce qu'il est en train de raconter. Parce que pour lui, ça fera pas de sens, quoi. Quand on va commencer à parler de typage, bon, ok, c'est quoi? Ah bah c'est sûr, si tu commences à parler de typage à quelqu'un qui fait du JavaScript, tu vas le perdre. On perd beaucoup de monde en cours de route quand tu commences à lui dire que en fait des entiers t'en as sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits quoi. Ouais. Donc C'est signé, ça. non signé en plus. Donc ça te fait une collection de 16 types d'entiers possibles. Oui, et après, c'est vrai qu'après, c'est le. T'as les personnes qui vont être très techniques, qui vont adapter au maximum, donc qui vont faire ça. Et t'as les personnes qui veulent développer rapidement sans se prendre la tête et qui vont partir sur des langages non typés, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent se concentrer sur autre chose. Ah mais oui, mais il y a de toute façon, il faut toujours des outils pour tout le monde.
Oui, c'est ça. C'est y a les personnes, par exemple, qui viennent critiquer le no-code. Ah non, en fait, on ne doit pas critiquer le no-code parce que le no-code, il permet à des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances techniques pour aller programmer quelque chose, de pouvoir faire quand même des choses automatisées simplement. C'est juste qu'ils vont utiliser des outils. Nous aussi, en fait, on utilise des outils. On utilise des langages de programmation parce que oui, en vrai, on devrait écrire des 0 et des 1 comme on faisait à l'époque où on faisait les trucs perforés, là, les perforés. C'est ça, normalement, l'informatique. Le compilateur, c'est son boulot, hein. Il perfore des cartes. Exactement. Des cartes virtuelles, mais... Oui, bien sûr. C'est ça. Mais du coup, moi, j'adore le fait qu'il y ait du no-code qui se développe parce que ça permet à des personnes qui ne se sentaient pas être la cible de l'automatisation, de venir vers l'automatisation. Et une fois qu'ils ont atteint les limites de l'outil qu'on leur a fourni, ils reviennent après voir les personnes dont c'est vraiment leur métier d'automatiser. Et ça permet après de créer des outils qui sont réellement adaptés à leurs besoins et qui vont s'adapter même à leurs besoins futurs. Mais le fait d'avoir une petite passerelle d'entrée comme ça qui leur permet de faire des trucs à la con, bah, c'est génial. Il y a un site internet qui s'appelle Chef quelque chose. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est un espèce de toolkit de scénarios qui permet de faire un petit peu tout, qui permet de faire du base 64 des codes et après, dans un pipeline, de venir récupérer un champ parce que c'est du JSON qui a été désencodé du base 64. Après, tu peux aller faire du parse de ce champ et ainsi de suite. En fait, tu te crées des pipelines sans avoir besoin d'écrire le script. Et lorsque tu as ce pipeline, après, tu fais juste que lui bénir tes données en entrée. Et tu as absolument pas besoin en fait de sortir du Python, du Bash ou n'importe quoi. Tu fais juste qu'utiliser cet outil qui après te permet de faire tout et n'importe quoi. Je suis en train de chercher le nom du truc et je l'ai complètement zappé. Moi, ça m'évoque quelque chose que j'ai vu passer il y a quelque temps. Quelque chose s'appelait RedNode, je crois. Ah oui, ça, il y a ça, ouais. Mais en fait, c'est plus basé sur vraiment les données. C'est tu lui donnes des données en entrée, il va faire des trucs, alors que Node-RED, ça va plus être des événements avec des triggers. Par exemple, s'il y a un sub sur Twitch, bah, en fait, on peut demander au travers d'un webhook d'aller interroger le Node-RED, et le Node-RED, après, de nœud en nœud, il va faire des actions. C'est trop trop bien. Il y a une personne sur Twitch qui est spécialiste de ça. Qui fait des streams où il explique en fait aux gens comment on fait du Node-RED. Et lui, il a fait de la domotique en fait avec le Node-RED. À la base, il n'est pas informaticien, il est biologiste, si je me rappelle bien. Et comme je le dis, en fait, le no-code a été une passerelle pour lui pour faire de l'informatique sans en faire. Ouais. Après no-code, j'ai eu le cas récemment moi, au boulot des gens qui voulaient créer une application no-code simplement dans l'esprit en me disant bah, tu ne seras pas toujours disponible, donc le jour où on a besoin de maintenir, il faut qu'on soit capable de le faire. Et le problème, c'est qu'ils voulaient faire une base de données comme ça. Mais ce sont des personnes qui n'ont absolument aucune notion de ce qu'est une base de données, ce qu'est une clé, ce qu'est un index. Je leur ai dit non. Là, ça, votre machin, il va être viable 6 mois, 1 an, et au bout d'un moment, les perfs elles vont s'effondrer parce que vous n'avez pas la connaissance qui va vous permettre de faire ça proprement dès le début. Je vais mal parler, mais moi, j'ai déjà vu des développeurs full stack qui ne savaient pas ce que c'était un index et comment le mettre dans une base de données, et que pendant les 10 000 premières entrées dans la base de données, ça se passait bien. Les 100 000 prochains, c'est plus compliqué. Oui. Alors, j'avoue que j'ai du mal à le concevoir parce que ça me semble tellement évident et important de connaître ce genre de notions. Mais oui, effectivement, on ne peut pas tout connaître non plus. Les mots de passe en clair dans les bases de données aussi, semble être quelque chose d'évident. Et pourtant, le nombre de bases de données où les mots de passe sont dedans,
over 9000, quoi. Ouais. Alors, ben, j'ai même vu pire, je peux citer, alors je vais même pas avoir peur de citer, c'était la compagnie des Cars du Rhône, ouais. Où tu t'inscrivais sur leur site pour recharger ta carte tous les mois. Ouais. Et à chaque fois, ils t'envoyaient la facture par mail. Et dans le mail, il y avait ton mot de passe en clair. Rappel, votre mot de passe, c'est gna gna gna. Magique. Quel enfer. Donc, non seulement ils le stockaient en clair, mais en plus, ils le faisaient circuler par mail régulièrement. Donc, c'était vraiment pas sécurisé du tout. Donc, ils ont changé depuis, mais c'est vrai que... Mais du coup, faire du no-code ou faire du code, en fait... C'est pas un gage de qualité de ce qui va se passer, parce que ce qui avait été fait pour tes cartes du Rhône, ça aurait pu très bien être fait en no-code de manière sécurisée, et ça peut très bien aussi être fait en code de manière non sécurisée. Après, là, c'est plutôt comment est-ce que tu vas agencer tes idées, ta recette de cuisine, en fait. C'est ça. Puis il y a une question de culture, c'est-à-dire si on t'a appris ce qui était la sécurité, la vie privée, etc., tu vas faire attention. Il y a eu la polémique il n'y a pas longtemps sur la fameuse application Élysée, là, ou Élise, comme quoi c'était mal codé, etc. C'est vrai que c'est des gens qui n'étaient pas codeurs à la base. Donc, ils ont fait ça un peu comme ils pouvaient, mais je pense que les plus grosses critiques qu'ils ont eues, c'était pas tellement sur la qualité du code, mais c'est, pour moi, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire des données derrière, comment c'est sécurisé. Est-ce que c'est compatible RGPD, ce genre de choses? Après, c'est un peu compliqué pour eux, parce que nous, quand on a fait nos premiers codes, à part mon petit frère, il n'y a personne qui les a vus. Quoi. Oui, c'est ça. mon premier code, c'était un Mario Sacoban fait depuis le site du zéro. Mm-hmm. C'était Mario qui poussait des caisses. Oui. J'ai pas fait une application qui vient récupérer les données utilisateurs des gens pour les foutre chez Google avec les intentions de vote des personnes, quoi. Oui, c'est ça. Donc la portée est différente, et du coup ça les oblige en fait à mûrir très très vite. Et de la même manière, en fait, là il y a on va raccrocher sur le sujet là maintenant tout de suite. Oui. Il y a justement là un système de transmission de connaissances accélérées qui aurait dû se mettre en place entre les personnes développeurs confirmés qui leur ont dit que c'était pas bien ce qu'ils faisaient, et les développeurs juniors qui auraient dû accepter, en fait, de dire désolé, on a fait quelque chose de pas bien, on retire l'application, quoi. Parce que ça peut avoir un risque. Après, j'en sais rien de quel risque ça pourrait occasionner, mais les personnes qui ont fait de la sécurité ont dit que ça discutait beaucoup. Oui, c'est ça. Après, pour reprendre une citation célèbre, on ne dira pas que c'est un échec, on dira juste que ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui restera dans l'histoire. Mais voilà. Ouais, et au niveau vulgarisation, toi, tu fais essentiellement des sujets techno, ou tu as d'autres sujets que tu vulgarises? D'autres sujets que je vulgarise, la cuisine, mais c'est plus pour le fun, quoi. C'est, j'adore faire de la cuisine, et un petit peu comme l'informatique, c'est un domaine qui est monstrueusement vaste. Oui. Et quand on fait un plat, en fait, on apprend de nouvelles connaissances. Et du coup, quand je rentre chez mes parents ou que je vais chez des amis, machin, je m'amuse à mettre en action, en fait, ce que j'ai pu apprendre. Et quand je suis en train de le faire, je m'amuse aussi à dire « Attends, regarde comment on fait maintenant pour découper tel aliment, machin. » Parce que c'est des choses que j'ai pu apprendre dans mon apprentissage. Et ouais, de toute façon, vulgariser des trucs, oui, la science aussi. Moi, j'adore la science au sens général, l'astronomie, la physique, la SVT, machin, tout ça, l'histoire même, c'est des trucs que j'ai toujours adoré. Et du coup, dans mes streams, des fois, ça tourne à la géopolitique carrément, parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi. Et comme je bouffe pas mal d'articles avec des articles monde diplomatique, ce genre de choses,
et que je regarde un petit peu tout type de contenu, en fait, bah, j'arrive à faire une espèce de synthèse sur ces sujets-là. Et bah, des fois, on en discute, quoi. Je sais pas si c'est de la vulgarisation, mais c'est de la transmission d'informations au travers d'une discussion, quoi. Ouais. Après, tu vulgarises si la personne en face a un niveau un petit peu plus de compréhension, un petit peu plus bas sur ce sujet-là, pour l'amener à comprendre ce que tu as compris. Bah, on a un moment, je sais que j'avais expliqué comment ça marchait les trous noirs. Oula. On avait joué avec plein de trucs pour essayer de d'expliquer le truc, quoi. Et du coup, on était arrivé avec l'histoire de t'as un graphique en abscisse, tu as les positions en ordonnée, tu as le temps, et en fait tu as une valeur limite qui s'appelle C. Et quand tu te déplaces dans le temps, tu te déplaces moins vite dans l'espace et inversement. Oui. Et donc, quand tu te déplaces à la vitesse de la lumière, tu te déplaces plus du tout dans l'espace dans le temps. Et inversement, si tu te déplaces pas du tout dans le temps, tu te déplaces dans l'espace. C'est ça. C'est l'histoire qui nous dit que un photon qui est parti d'une étoile à trois années-lumière de nous, le photon a mis 3 ans à nous arriver, mais de son point de vue à lui, le voyage a été immédiat. C'est ça, exactement. Et du coup, des fois, on stream, on parle de ce genre de conneries, quoi. Ouais. Du coup, je fais des dessins. Après, il y a des. Puisqu'on parle vulgarisation, il y a des. Sur YouTube notamment, il y a pas mal de vulgarisateurs qui expliquent ce genre de choses. Bah moi, je vulgarise les vulgarisateurs, en fait, parce que les connaissances, je ne les récupère pas de nulle part. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas capable de lire un papier scientifique. Donc, ce que je bouffe, en fait, c'est de la vulgarisation. Et en bouffant suffisamment de vulgarisation qui amène dans le même point, je considère que c'est un fait et pas juste une simplification de la part d'une seule personne qui a décrit le phénomène ainsi. D'accord. Et au niveau vulgarisation, par exemple, en ce moment, tu as des personnes à recommander ? Ah ouais, plein. Attends. Faut que je trouve ma liste YouTube de 400 personnes. Bon, les 10 premiers, allez. Il y a 12 Parsec qui est trop marrant. C'est un youtubeur qui vulgarise l'astronomie et pas que l'astronomie. Il s'est amusé à faire les films sur l'astronomie aussi. Bon, il a un vocabulaire bien à lui, quoi. Mais c'est trop marrant. Je connais, oui. Il y a le Point de Genius qui est très très bien aussi. Mm-hmm. Qui vulgarise un peu tout aussi. Et lui, il est vraiment vulgarisateur de métier. Donc, il va discuter avec des scientifiques et quand il a suffisamment de connaissances, il va créer du contenu de vulgarisation. Il y a AstronoGeek, mais lui, tout le monde le connaît maintenant. Oui. Il y a Alteris qui crée des uchronies. Donc, des uchronies, en gros, c'est des bifurcations dans le temps. Oui. Et il a fait une super série sur qu'est-ce qui se passerait si Paris était catapulté dans le Moyen-Âge instantanément. D'accord. Donc le Paris moderne se retrouve au Moyen-Âge. Ouais. Et c'est génial parce que il explique en fait comment vivaient les personnes à l'époque et comment est-ce que Paris serait représenté. Spoiler, ça serait la ville des démons. Oui. Et puis, je pense que le taux d'Instagrammeurs dépressifs parisiens augmenterait très vite, parce que forcément, il n'y aurait plus de réseau. Autrement, on a Al236. Lui, c'est de l'art, au sens, on va dire, noble du terme. Donc, de l'art sous toutes les coutures, de la peinture, de la sculpture, des cinémas, des BD. Enfin, il prend vraiment tout. Il prend un thème bien défini et il va vraiment aller dérouler tout l'historique de ce thème-là. Il fait des vidéos assez longues et il a une super voix de radio qui est trop trop bien. J'ai Johan Baumal qui fait du dessin
Et du coup, lui, il vulgarise l'art du dessin. Donc, moi, je suis une bille en dessin, mais petit à petit, en le regardant, je commence à comprendre des concepts. Et donc, lui, il vient en fait faire de la transmission sur, par exemple, comment marche la perspective, comment est-ce qu'on fait pour, à partir d'un thème donné, se créer un croquis qui va permettre après de créer un truc bien plus détaillé ou venir simplifier un dessin et ainsi de suite. Qui y a encore bon, ils sont pleins. Ils sont pleins, il y en a plein. Il y a Chronique Fiction aussi qui est trop bien, fait de la vulgarisation sur les films. Il prend un film et il vient prendre un personnage ou un détail et il vient en fait détailler vraiment toute la signification de tel ou tel truc. Genre, il y a une série de chroniques fiction qui s'appelle Le Coroner. C'est il y a une personne qui se fait tuer dans un film et on vient expliquer sa vie en fait dans le film, et pas seulement dans le film, ses inspirations de la vie réelle qui ont créé le personnage. Qu'est-ce qu'il y en a encore? On a cours de japonais, donc c'est des cours de japonais, tout simplement. Et le mec, il est super fort. Donc il vulgarise vraiment le truc de ouf. J'en rajouterai deux, moi, que j'aime bien. Je sais pas si tu connais. Il y a Nota Bene pour l'histoire. Ouais, et là je suis au D. Ah ben voilà. Donc, je descends. Il y a Nota Bene, très bien. Ah oui, bien sûr. Et dans les S, il y en a une qui, moi, je trouve assez géniale, c'est Science de comptoir. Oui, elle est très bien. Bon, elle est cinglée, mais elle est très bien. Ah, les gens cinglés. Je trouve que les gens cinglés sont ceux qui transmettent le mieux. Parce que justement, on rentre vraiment dans leur délire et on y va, quoi. Sinon, on va avoir Deus Ex Silicium. Voilà, le mec sait, il explique. Il vulgarise des trucs qui sont mais super méga violents. Et quand tu sors de là, tu fais bon, bah j'ai tout compris, c'est génial. C'est ça. Et puis, je joue avec de l'acide à 300 degrés, oui. Ça joue. Il y a la chaîne Dimension, c'est une personne qui fait des vidéos sur la science. Et il a une autre chaîne qui s'appelle Dimension Code, où il explique des concepts de la programmation, dont une super vidéo qu'il a faite sur comment simuler la création d'une galaxie en utilisant uniquement les équations de Newton et d'Einstein. Waouh! Et son truc marche. Ouais. Il a au début un nuage épars de points qui représentent des étoiles. Mmh. Et petit à petit, ça va s'enrouler en fait sous la forme d'une spirale et faire vraiment la gueule de la Voie lactée. Il explique surtout toutes les problématiques d'optimisation, parce que 100 étoiles c'est facile, 100 millions d'étoiles ça commence à être compliqué, des milliards d'étoiles, là il faut simplifier, quoi. Ouais. On peut pas simuler toutes les interactions qui peuvent y avoir. D'accord. Y a Dirty Biology. Ouais. Ça c'est là, quoi. Il y a Doc Hero, lui c'est de la vulgarisation sur les jeux vidéo, qui est un sujet que j'adore. Lui il fait du game design, il est lui-même game designer et programmeur en fait, il fait des jeux vidéo. Et du coup il décortique un jeu vidéo et il vient expliquer pourquoi tel jeu est fait comme ça et les courants aussi qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo. Donc par exemple le minimalisme, c'est avoir le minimum d'éléments à l'écran qui permettent d'avoir le maximum d'informations. Et ça explique en fait que faire un jeu minimaliste, c'est beaucoup plus compliqué que de faire un jeu triple A, genre à la code, machin, où tu as le maximum de détails, mais derrière, il n'y a pas la même réflexion pour essayer de transmettre l'information. On revient sur le sujet. Oui, tout à fait. Et après, tu vas Dr. Nozman, y penser... Tu as, tu as Émile. Je pense que. Non, tu le connais pas ? Non, Émile, je connais Émile, pas. Émile, c'est une personne qui fait du FreeBSD, qui maintenant a une chaîne Twitch, qui marche super bien.
et il explique l'informatique, mais vraiment jusqu'en bas, quoi. Moi, je suis en train de jouer avec le kernel, bah, lui aussi, mais quand il explique ce que c'est un malloc en C, bah, il va voir l'assembleur, quoi. D'accord. Et il fait ça en stream, et ça marche super bien parce que bah, le public va lui poser des questions et lui va répondre. Donc le rythme est un peu lent parce que bah, il va s'arrêter un peu tout le temps parce que bah, des questions, les gens ils en ont des millions. Surtout qu'il tourne à 80 personnes sur son stream, donc bah, les questions elles fusent. Et là, c'est vraiment de la transmission de sachant vers des personnes qui veulent apprendre et des personnes qui souvent n'ont aucune connaissance en code. Et c'est génial, quoi. Ouais. Oh, y en a plein. Je te dis, des vulgarisateurs. Tu pourrais en avoir sur tout et n'importe quoi. Tu as les pionniers, genre GraphicArt. Ouais. GraphicArt est le premier vulgarisateur d'informatique en France. Il a commencé à l'époque où il avait encore son logo avec le Tanuki. Je ne sais pas si tu as connu quand il s'appelait encore Benjamin Boyi, je crois, sa chaîne. Non, moi, à l'époque, bah, j'ai appris le PHP avec lui, par exemple. D'accord. En regardant ces vidéos, j'ai appris les rudiments du PHP. Et avec le livre du site du zéro aussi. Oui. Apprendre le PHP de zéro. Après, au niveau vulgarisateur, on en parlait avant de commencer l'émission. Il y a des gens comme Astier, par exemple, qui vont vulgariser sur des sujets très divers et qui ont un but, le même que ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui vont amuser les gens, c'est ce que faisait Jérôme Bonaldi il y a quelques années avec ses expériences rigolotes. Foirait surtout. Non, Bambi Jérôme, elle ne foirait pas. C'était quand il démontrait des objets dans une part ailleurs que ça foirait. Ah ouais. Non, Jérôme n'était pas en direct. J'étais trop petit. Moi, j'ai juste entendu qu'il y avait l'effet Bonaldi parce qu'il foirait tout. Non. En fait, il foirait que quand il était en direct. Et je me rappelle, il avait expliqué un jour le principe des ponts à haubans, ouais. Avec sa grand-mère qui porte des sacs de courses. Et c'était génial comme explication. Après, il y avait eu C'est pas sorcier qui avait repris le même principe sur le fait de transmettre quelque chose via des expériences rigolotes, simples, etc. Et après, tu as des gens qui vont faire des spectacles, donc comme on disait, comme Astier, qui eux vont vraiment te passer une passion en même temps qu'un savoir. Et une réflexion surtout. Une réflexion. Sur les fake news en fait. Parce que la fin de l'exoconférence, c'est comment est-ce qu'une fake news peut apparaître, comment est-ce qu'elle peut se propager. Et comment est-ce qu'on peut la démonter avec des arguments tout simples, quoi. Sa phrase, c'est si les gens, si les aliens étaient aussi intelligents, je pense pas qu'ils feraient 15 000 années-lumière pour venir nous rendre visite, quoi. Oui. Et si c'est le rasoir d'Occam, en fait. S'ils pouvaient le faire, ils viendraient pas pour enlever des gens et leur palper les valseuses. C'est ça la phrase. Ça a aucun sens, en fait. Oui, c'est ça. Il suffit d'être logique. Et voilà, c'est juste que oui, c'est possible qu'il y ait des gens ailleurs, mais ils sont trop loin. Ils sont trop loin, et puis la dépense d'énergie pour faire quelque chose d'aussi risible n'a aucun sens, quoi. C'est ça. Et le fait que ça se soit passé que pendant une période très très courte de l'espèce humaine, bah, c'est bizarre en fait que ça soit juste pendant les années 50, 60, 70 qu'on a eu ce genre de phénomène, et après, fini, quoi. Bah, c'est quand la science-fiction a connu son essor, les gens ont commencé à voir ce qu'ils lisaient et ce qu'ils entendaient à la radio. Avec des récits, ils ont vu à la télé, et puis voilà. Mais oui, il y avait toute cette ambiance qui mettait les gens dans l'idée de voir quelque chose, et voilà. Mais oui, il y a différentes formes de vulgarisation. Donc en fait, on peut voir que ce soit par des petites pastilles, par du blog, de l'audio, de la vidéo, du spectacle. Finalement, le but à terme, c'est toujours d'être un passeur de savoir.
Ah oui, bien sûr. Le canot importe peu, en fait. Le but, c'est de toucher le maximum de personnes. Ne pas faire de la ségrégation sur la connaissance. Je pense que c'est ça le plus important, c'est ne pas avoir de ségrégation sur la connaissance. On peut le voir sur beaucoup de politiques extrémistes, c'est-à-dire que dès qu'une politique, pas dire dictatoriale, mais un peu totalitaire se met en place, la première chose qu'elle fait, c'est de réduire les moyens de transmettre le savoir. Parce que le savoir permet de se libérer de beaucoup de choses, et il doit être, selon eux, réservé à une élite pour pouvoir asseoir le pouvoir pour eux et pas pour le reste du monde. Et là, on repart dans la politique. On a dit pas de politique. Ah ouais, mais là, c'est plus de la politique historique. Je ne vise personne. Je pense que ce genre de truc, on peut le retrouver de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, ce genre de comportement. Là, il n'y a pas de... C'est à partir du moment où tu veux asseoir ton pouvoir sur les gens, tu fais en sorte qu'ils se cultivent le moins possible. En parlant de ce genre de sujet, les revues scientifiques qui font payer des articles, c'est une honte. L'État français qui a accepté de bannir Sayeb, c'est une honte. Oui, tout à fait. Heureusement que c'est des brels en informatique et qu'il y a toujours moyen de faire les choses proprement pour y accéder. Mais c'est juste une honte, en fait. C'est une honte d'être gouverné par des personnes qui ont juste des intérêts financiers, en fait. Alors qu'il y a des intérêts qui seraient beaucoup plus importants, qui seraient de permettre à tout le monde de pouvoir aller vérifier les informations sans avoir besoin de payer un espèce de parasite qui fait juste que éditer un PDF, quoi. C'est ça. C'est une honte. Ça, moi, il y a peu de choses, en fait, qui me révoltent vraiment. Mais ce genre de système, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait plus exister. Et nos États ne devraient pas être... solidaire, entre guillemets, de ce genre de pratique qui n'a plus de sens, en fait. Ouais. Je m'attendais à ce que tu dises complice, mais c'est la même idée. Ouais, c'est... Moi, je voulais pas être... Je voulais rester dans le neutre. Oh, un petit peu, de temps en temps. Je le fais suffisamment en stream. Ouais. Mais oui, c'est vrai que la transmission du savoir reste un sujet important. Il y a une phrase que j'ai entendue plusieurs fois, je crois que c'était Franklin qui avait dit ça, c'est si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez de voir ce que va vous coûter l'ignorance. Ben on va peut-être le vivre. Ah ben voilà, tu refais de la politique. Bah ouais, mais bon. Je viens de retrouver un vulgarisateur dans ma liste de YouTube. Le mec s'appelle Patience. Oui, effectivement, le mot est joli. Le mot est joli, ouais. Et lui, il va très très loin. Hein. Lui, il fait de la physique quantique. Et il explique la physique quantique. Il faut être patient pour comprendre la physique quantique. Non, parce qu'il l'explique proprement. Donc ça marche. Bien. Ok. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a déjà bien balayé beaucoup de sujets. Ah bah ouais. On n'a pas trop dérivé en plus. Je suis assez fier de moi. J'ai réussi à peu près à me contenir sur la bifurcation. C'est ça. Je pense que dans l'accroche du podcast, je mettrai « Nous n'avons pas trop dérivé ». Pas trop. Voilà, pas trop. Un peu. Bah, si on dérive pas, c'est pas marrant. Quand on dérive, c'est pour mieux revenir. C'est ça. Voilà. Écoute, bah, je te remercie de ce partage. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité sur ton podcast. Bah écoute, et puis à bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.